Je suis ravie et je suis très fière de cette publicité. Les Actuvores, animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. En 2010 aussi, vous incarnez le nouveau visage aussi de la campagne publicitaire Panzani. Hein, Panzani eh oui, voilà, elle est réalisée par Christophe Baratier, hein, réalisateur de Les Choristes. On va écouter justement un petit extrait tout de suite. Bah oui. J'ai faim. Le risotto, c'est une galère. Pour qu'il soit bon, c'est un enfer. Mais c'est facile le risotto avec la sauce pour risotto de Panzani. Aussi, tout le goût de l'Italie, bon et toujours réussi. Panzani, aussi. Nouvelle sauce pour risotto. Panzani, aussi. Et là, je suis sûr qu'il y a plusieurs de nos auditeurs qui disent « Mais c'est Chiara Di Bari qui fait cette publicité !» Ils se disent « Combien ? Combien pour la pub ?» Est-ce que vous l'avez vu ? Et c'est vrai, Chiara Di Bari, notamment, il y a certains artistes qui regrettent ce type d'expérience de carrière. C'est votre cas ? Bah, pas du tout. Non. Alors moi, je suis ravie et je suis très fière de cette publicité. Ouais. Déjà de une, parce que je trouve qu'elle est très très bien tournée. Ouais. C'est mais des belles c'est images, vrai que c'est des belles couleurs. Dans nos mémoires, tout le monde, hein, Panzani aussi, on le sait. Hein. C'est une pub musicale, donc qui me correspond tout à fait. Ça a changé de Fernandel. Elle est drôle. C'était Fernandel. C'est vrai, c'est vrai. Elle est drôle, et mine de rien, le réalisateur, c'est Christophe Baratier. Eh, exactement, quand même. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de grands réalisateurs de cinéma qui font pas mal de pubs, sans trop le dire, mais c'est toujours bien pour des comédiens de faire de la pub, parce qu'après, on fait des très belles rencontres pour le cinéma. Exactement, tout à fait. C'est vrai que c'est un peu la porte d'entrée du cinéma. Oui, moi, j'ai fait la pub Babybel, et puis voilà où je suis. Je suis sur VL. Dans une cave.